services. I think he's over by the TVs. He's watching. I need something so stiff it knocks me out. We ain't got shit like that here. How about one that tastes like this? No words can describe how right the Shinra thinks it's a group called. So I'm afraid he's only had us. I've never seen anything like it before. Sector 8 was a nightmare. Fires everywhere. Huh. Mako is the lifeblood of the planet? Yeah, the hell it is. Goddamn eco-warriors with their dumbass posters. I tear them down and they're back up inside of an hour. Like I've got nothing better to do. I mean, look at all that steelwork. You trying to tell me that's not progress? What the? You okay, buddy? Mako junkie, huh? Figures. You again. Hot shower can't come soon enough. I can barely tell my skin from all the ash and sweat. When I get back, it's refueling time. You, Jesse? I don't know. Excuse me. Due to an emergency, entry into this area is prohibited. Sorry for the inconvenience. You call that a warning? No, sir! In accordance with emergency regulations, entry into this area is prohibited. Please, leave at once. Still too nice! This area is off limits! Turn around and leave at once! If you don't, I'll have no choice but to use force! Now you're getting the hang of it! Wait, this is real? It's not a movie? How long's it gonna keep burning? What do you know? That ain't half bad. I'll make a grease monkey out of you yet. Thanks. I've always dreamed of it. Arlene. Right, Angel, welcome I am. Back. Have you been a good girl? Yeah, I picked up with Tifa. Oh, you did you? Well, well. You made it. Where'd you get that? I can't remember the last time I saw a real one. Huh? How sweet. When did you get so thoughtful? Guy can change. Has been 5 years. Huh? I need to talk to Barrett. Right. Come on in. Daddy, the Mako place blew up. Everyone on TV's talking about it. Don't you worry about all that silliness. Daddy's here and he's not going anywhere tonight. Now turn that thing off and let's get you to bed, huh? Yeah, your money. Ask Tifa. She takes care of all that. Do you mind keeping Marlene company until I'm done with this? Me?
Yeah, you. You're doing scaring my daughter like that. Daddy says never talk to strangers. That's right, honey. I do say that. What a good girl you are remembering Daddy's lessons. You know what else good girls do? They go to bed on time. Come on. But I'm not tired. I want to talk some more, Daddy. All right, but just this once. So then, what can I get you? My money. I'm still waiting on it. Right. About that. We should talk outside. Daddy? Did the people who died all return to the planet? Of course. Before we get on to money, there's an empty apartment in a place just down the road. It's nothing fancy, but I was thinking you could stay there for now. The landlady's a big friend of the cause, so you wouldn't even have to pay rent. Sound good? Sure does. Thanks. Follow me then. How was it up on the plate? It was chaotic. Sorry for dragging you into all this. It was wrong of me to put you in danger like that. I promise I won't do it again. Dangerous part of the job. Don't worry about me. I'll try not to. Always happy to help stick it to Shinra. Not good at all. I don't know what it is, but my life feels so. So, you make nice with everyone? Much as I could, all things considered. Maybe not enough for them. Good. You had me worried. You're not exactly a people person. I'll give you that. I saw Sector 8 on the news. It was like a war zone. The news is just another Shinra mouthpiece. They'll spread whatever lies Shinra tells them to. How will it affect us? It wasn't that bad? It was. Oh, right. And here we are. Good old Stargazer Heights. You're on the second floor. Room 201 here is where I sleep. Don't have time for much else, what with Seventh Heaven and all. Not even time to decorate. Here's your room, 202. Don't worry, I already told the landlady about you. You did? Yes? Oh, I mean, I told her I had a friend looking for a place to stay. Was that too much? No. It's fine. And this? That one's, know what? It's getting late. I'll introduce you tomorrow. It's a little bare, but should be enough to get you through the night. If you want anything else, we can always get it. There is one thing. My money. You guys owe me 2,000, remember? I do. And we'd love to settle up, especially since this was your first job for us, but... That's it? Sorry. We spent the rest preparing for the mission. That really is it. But not for long. I'm collecting money for filters tomorrow, so I can pay you after. And you're sure about that? Of course, as long as you help, that is. Wait. Then I'd have to pay you for that, too. Never mind. No, 2,000's enough. That's what we agreed on, so that'll be the price. With what you gave me, that leaves 1,500. You're the best! I'll see you bright and early at the bar, then. Thanks again for everything. Sleep tight. Ugh.
guess it's time for introductions. Hey, you okay in there? Oh. Coming in. But he's not a bad guy. The landlady asked me to check on him now and then to make sure he's okay. Can I ask you to do the same? Sure. Well, now, you must be Cloud. I'm Marl, your landlady. So how'd you like the place? You from up on high? I've been around. I'll bet. No matter. All kinds come through with all kinds of reasons. If you ever need an ear to bend, I'll lend you mine. Can be about anything, even Tifa. What's she to you? The granddaughter I never had. And if you hurt her, I'll take it out of your hide. You hear me? Loud and clear. Good. Now you'd best get a move on to Seventh Heaven. She's got a head start on you, and then some. Come on, quit lollygagging.
Dis donc, tu n'as quand même pas très bonne mine. Tu as bien dormi au moins? Rien à signaler. Je poursuis ma mission. Mon mari est reparti faire un tour à la gare. Ouais? Je peux vous aider? Je me suis fait draguer par un... Je suis allé voir la gare. Qu'est-ce que tu veux? Tout le monde se plaint de ne pas pouvoir aller travailler. Qu'est-ce qu'une journée de salaire par rapport au bien de la planète? Il y en a qui n'ont vraiment pas le sens des perspectives. Salut. Salut. Marlène est en train de dormir. Fais pas de bruit. Bon, t'es prêt à aller au boulot? Hein? Il faut distribuer de nouveaux filtres aux gens. C'est Jessie qui les a créés. Ce sont des filtres assainissants universels. Ils retirent même la mauvaise odeur de l'eau. Un vrai succès. Pour tout dire, ils nous rapportent bien plus d'argent que le bar. La plupart des gens du quartier utilisent ces filtres. On leur apporte ceux de rechange et on récupère l'argent ainsi que les filtres usés. Y a rien de plus simple comme boulot. Tu m'écoutes? Ah, c'est pas vraiment ce que je pensais. S'il n'y a pas besoin de se battre, ça ne me concerne pas. Il y a aussi des gens qui refusent de nous payer. Mais... Oh. Tu peux les persuader? Bon, ben, allons vite régler ça. Merci beaucoup. Je vais en profiter pour te faire visiter. T'auras qu'à garder l'argent qu'on va récupérer. Comme tu viens de t'installer, t'en auras sûrement besoin. Merci. S'il n'y a pas assez pour te payer, je te donnerai le reste plus tard. Barrett est aussi en train de rassembler des fonds. Si je peux avoir tout aujourd'hui, pas de problème. Il voulait qu'on se chatouille avec des plumes de... Nous vendons aussi des produits qui viennent du plateau. Vous ne trouverez pas mieux chez la concurrence. Bonjour. Nous vous apportons un nouveau filtre. Tifa, quel plaisir de te voir. Je t'attendais. Tiens, tu es lui. Il est là pour collecter l'argent. Il s'appelle Cloud. Dis donc, t'as bien joué ton coup, toi. Tu veux pas échanger ta place avec moi? Tu serais pas à la hauteur. Hein? Voyons, Cloud. Mais j'y pense. Tu pourrais peut-être en profiter pour faire quelques achats. Je peux toujours jeter un œil. Considère-toi le bienvenu ici pour tes futurs achats. À condition que Tifa soit avec toi. Au revoir. Passez donc au bar. Je vous préparerai votre cocktail préféré. C'est un de nos clients habituels. Quand je viens faire des courses ici, il me fait souvent des ristournes. Tu penses qu'il m'en fera aussi? Peut-être, si tu te montres plus aimable. Pour obtenir un rabais? Hors de question. Bon, maintenant, on va aller voir la propriétaire de la résidence. Je l'ai rencontrée. Tu sais comment elle est, alors? C'est quelqu'un de très important pour notre cause. Sois aimable avec elle, d'accord? Marle, je vous apporte de nouveaux filtres. Tifa! Je t'attendais avec impatience. Tiens donc, pourquoi t'es là, toi? C'est pour le travail. Souris. Il m'aide à collecter l'argent. T'as intérêt à la protéger. Pas besoin de vous inquiéter pour moi, je sais me défendre. Ça, j'en suis bien consciente. Mais il faut le faire travailler un peu. Et à en juger par son attitude, j'imagine qu'il n'est bon qu'à se bagarrer, n'est-ce pas?
N'importe quoi. Cloud? Je vais faire un effort. Ça manque franchement d'entrain, tout ça. T'es fatigué ou quoi? T'as un lit, non? Faut bien dormir la nuit. C'est la première règle du bidonville, n'est-ce pas? Exactement. Allez, tends-moi ta main. Merci beaucoup, Marl. À plus tard. Oui, bon courage à vous deux. Je dois beaucoup à Marl. Elle m'a aidé à m'installer. Et ça fait longtemps que tu vis ici? Ça doit bien faire 5 ans maintenant. Mais c'est pas le moment de parler de ça. Allez, au travail. Il ne reste plus que le marchand d'armes. Tiens, voilà Tifa. Ça doit être pour le filtre. Ah. Dis donc, cette saloperie de filtre fonctionne pas du tout. Je suis vraiment désolée. Tenez, essayez celui-ci à la place. J'en veux pas de votre Camelot. Foutez le camp. D'accord, très bien. Mais je dois quand même vous demander de payer pour l'ancien. Tu rigoles? Je vais pas te payer pour un truc qui marche pas. C'est lui qui s'occupe de collecter l'argent. Vous vous foutez pas un peu de la gueule du monde, là? Vous allez payer ou pas? Merci infiniment. Et voilà, nous avons fini notre tournée. Maintenant que tu as quelques guilles, tu veux jeter un œil aux arbres? Et Barrett, quand est-ce qu'il aura fini de récupérer de l'argent? Avant l'ouverture du bar, ce soir. D'ici là, on a un peu de temps. Tu veux faire quoi? Je sais pas. Ah mais tiens, je viens juste d'avoir une idée. Ça t'intéresse? Si tu veux vraiment travailler comme mercenaire ici, il faut que tu commences par te faire connaître. Les relations sont plus importantes que l'argent, comme on dit. C'est une autre de vos règles du bidonville? Avec des relations, t'auras du travail. Et si tu le fais bien, tu gagneras en réputation, ce qui te créera de nouvelles relations. Et je commence par où? Tu pourrais donner un coup de main à la milice du bidonville. Ça te rapportera pas beaucoup d'argent, mais tu te feras connaître. Je vais essayer. J'ai vu personne au poste de garde.